pas bien du tout. Venons descendre pour voir le dieu que l'amour inspire. La musique des maîtres, oh, je ne sais qui. Eh bien, Marie, vous dites innocent, pas de respect. Oh, pardon. Faites silence. Vous, attention. Nous commençons la note. Mi, mi, mi. Mi, mi, Marie. Mi, 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 mi. Tous les soupirs et les soupirs.
faute. Vous l'encouragez. Vous avez raison, madame la marquise. C'est trop gaillard pour la circonstance. Aujourd'hui, que j'ai réuni les plus nobles têtes du pays, les têtes égales à la mienne. Oh, soyez raisonnable. Allons, mon enfant. Oui. Embrassez-moi. Oui. Comme ça. Moi, moi, moi. Oh. Tenez-vous droit. Levez la tête. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oh, quelle belle duchesse, cela fera. Hein? J'ai pu lui choisir les plus illustres seigneurs. Hein? Le duc de Krakenporf. Oh non. Ah, quelle belle duchesse, cela fera. Hein? Et le charmante. Hein? Et... Charmante. 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 Thank you.
que ton jour longtemps. Dieu, ne rêve-je pas, c'est au mari qui gagne. Par exemple,
Pas entendu les mots d'ordre. Marche! Tous les doigts réunis, quel plaisir, mes amis, quel bonheur, quel bonheur, quelle ivresse! Thank you.
Agnès est promise. Dans une heure, on signe les contrats. Et je vous prie de quitter Célia l'instant même. Sulpice, restez. Oui. Écoutez-moi, Sulpice. Nous sommes seuls. Vous êtes un honnête homme. Vous ne voudrez pas perdre une pauvre femme qui se confie à vous. C'est bien de l'honneur, madame la marquise. La haute noblesse de ma famille, son désir de me faire contacter un mariage digne de nom, m'avait condamné au célibat, j'avais 30 ans, et quoi que belle alors, et j'étais libre encore. Vous êtes très belle encore, madame. Oh, Sulpice, le capitaine Robert m'avait vu. On dit qu'il était... Oh, charmant, je l'aimais, et malgré mon horreur pour mes illances, je lui aurais donné ma main. Si son départ pour une campagne nouvelle, et nous est brusquement séparés. Quand ça s'apprête, je vais l'attendre dans ce château, mais je reviens en selle, sans selle. Elle, qui donc? Ma fille. Marie. Oh oui, ma fille, dont il fallait cacher les naissances au risque de me perdre. Ah, oui, j'y suis à présent. Comprenez-vous maintenant, je tremble que mon secret n'éclate tous les yeux. Comprenez-vous aussi que j'aime Marie et que me la vie sera m'arracher la vie. On ne vous l'enlèvera pas, madame la marquise. Ce mariage, surtout, il donne un nom, un rang à ma fille et me permet de lui assurer toute ma fortune. Décidez, Mariella, à la contraterre. Et j'aurai pour vous, Sulpice, une éternelle reconnaissance. Fiez-vous à moi, madame la marquise. Un corps de soldat, ça ne trompe pas. Et ça ne trahit jamais. Sulpice! Madame la marquise! Sulpice! Madame la marquise! Oh, Sulpice! Je vais chercher Marie! Madame la marquise! Les invités commencent à venir et les notaires attendent déjà dans la bibliothèque! Oh mon Dieu! Recevoir dans un pareil moment! Maestro, excusez-moi! Très gentil, la musique! Messieurs, madame et mademoiselle de La Rochelle. Le duc et la duchesse de Montoggio. Duchesse de Krakenburg et Monsieur le Duc. Moi, moi, moi. Oh, Madame la Duchesse, Monsieur le Duc, avec quelle impatience nous vous attendions, ma nièce et moi. Bonjour, Madame la Marquise, mais votre nièce n'est-elle point ici? Elle va venir, sa toilette qu'elle finit. Elle a tant à cœur de plaire. À Madame la Duchesse. Tout le monde est-il présent? Tout le monde, excepté la future, on ne se conduit pas ici avec la première noblesse du pays. Quel scandale! Je suis la Duchesse de Krakenton. Ce jeune homme, c'est... Philippe! Viens ici! Ce jeune homme, c'est le Duc de Krakenton. Oh mon Dieu! Je me sens mourir! Ma mère, oh mon enfant! Prenez garde, il y a les yeux sur vous.
Thank you.